Mon amour, il est temps d'emmerder l'emmerdement. Ça fait 6 mois que ça dure, nous arrivons à usure. Tous ces jours qui s'empilent, ton visage qui m'horripile. On a eu de beaux moments, mais pas autant que les chiens. Mon amour, tu le sais, les détours c'est pas mon fort. J'ai beau vouloir essayer, tenter de t'aimer encore. L'eau est devenue trop tiède, le fruit a perdu son goût. Notre histoire s'envole en miettes, et puis c'est tout. Chaque nuit quand elle est endormie, dans mon coin je lui écris une lettre de rupture. Et le lendemain je lui souris, il faut croire que c'est ainsi que les vieux couples durent. Deux cœurs qui se fissurent, oh, arrivé à usure. Moi, en fait, à la base, je viens du rock et je pense que les gens qui ont découvert Soul pensaient que, en fait, je faisais partie de cette catégorie de gens qui sont des comédiens, qui ne sont pas chanteurs. Et je sentais très fort chez notamment les autres musiciens ou dans la scène en Belgique et tout, des gens qui me considéraient un peu comme le gogol de service avec mes pleureurs, qui venaient faire de la musique festive, qui faisaient un peu le doux rêveur avec 3 accords. Et ici, avec le nouvel album, je pense qu'on a vraiment voulu, je sais pas si c'est remettre les points sur les i, j'ai pas cette volonté-là, mais simplement ouvrir plus la perspective musicale. Et c'est vrai que sur cet album, t'as un morceau hip-hop, t'as des morceaux afro, t'as un morceau super folk, t'as un morceau reggae, et voilà. Et oui, pourquoi choisir finalement, c'est vrai. Planté comme un saut, planté comme un saut. Le vent souffle et se déchaîne sur nos cœurs de porcelaine. Certains appellent ça le blues, le coup de cafard ou le spleen. Y'a toujours bien eu un mot pour vous décrire la déprime. Et moi, je dis que je suis sauf. Et moi, je dis que je suis sauf. Faites du bruit! Il y a un côté Tagada Soin de Soin qu'on avait au début parce qu'on vient du café théâtre et qu'on faisait un peu les cons. Et donc ça, c'est un côté qu'on a viré au profit, je crois, d'un côté plus arrangé, plus rock, plus, tu vois, avec du grain et tout. On pourrait se dire que l'opéra, c'est un crime de le laisser avec le disque qu'on a fait maintenant. Et pourtant, je pense que c'est un côté qu'on n'a pas envie de gommer parce que c'est un côté qui est vachement important aussi. On raconte une histoire aux gens et c'est un morceau qui plaît tellement aux gens que voilà, on l'a pas baqué, quoi. Un soir à l'opéra, j'étais assis à côté de toi. Je te regardais tout petit doucement, place 604 au 20e rang. Tu avais l'air si absorbé par ce viking qui s'était tué et qui chantait sa mort très lent depuis déjà 12 minutes 30. J'aime bien, effectivement, tout d'un coup, avoir un morceau un peu farce. Au premier album, il y avait Le Baiser, qui, je pense, a vraiment été un morceau comme ça qui m'est venu. J'avais envie de m'élever vers quelque chose, quoi. Et c'est vrai que personne est de nouveau un peu dans cet esprit-là sur l'album. Après, j'aurais du mal à faire un album qu'avec des trucs comme ça. Je trouverais ça trop, trop pesant pour moi. Je n'ai personne où aller. Pas de ventre où poser ma tête. Un tombeau de solitude que l'on garde par habitude, un petit morceau d'inquiétude. Moi, c'est super important pour moi, comme j'ai toujours joué dans des groupes, de pas être le chanteur. Le chanteur et puis ses accompagnateurs derrière. On est vraiment Soul et les pleureurs, c'est un ben. Par contre, sur le disque, la maison de disque m'a dit, écoute, comme t'écris, que tu composes tes morceaux, c'est plus lisible pour nous si on met Soul, quoi. En plus, Soul et les pleureurs, c'est un jeu de mots pourri, donc tu te le gardes pour la scène. Mais voilà, les pleureurs, en fait, sur le disque, ils sont super présents aussi, puisque on a revu tous mes arrangements ensemble, on a peaufiné, on a changé. Donc, on est vraiment un vrai groupe, quoi.